Donc, c'est merci. Bonne nuit, good night. Et bon appétit, good night petite. Je suis Dorcas Mumbembe, j'ai 25 ans. Je viens de décrocher ma licence en sciences de l'information et de la communication. Mon métier, je suis CEO d'EcoPlus. Donc, c'est une jeune start-up congolaise en évolution qui est principalement dans la fabrication de papier pour confectionner des sacs et des emballages papier biodégradables faits à partir de la fibre de bananier. Derrière EcoPlus, on a tout un laboratoire de chimie de l'UNIKIN avec qui on travaille, des ingénieurs chimistes. Je suis venue pour une formation à Circular Valley. C'est un incubateur, un accélérateur de start-up qui sont dans l'économie circulaire globale. On a développé un type de papier très innovant qui va révolutionner l'industrie du papier. Donc, c'est un papier hydrophobe qui est imperméable à l'eau et à la graisse. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir un brevet européen. Pour le moment, notre cible, c'est plus des entreprises agroalimentaires. On n'est pas encore sur le marché public. On compte y être en moyen terme. Il y a des moments où je me dis, c'est moi là! Je suis une personne très forte, ambitieuse, qui ne lâche rien, qui travaille dur. Et être là, ça me surprend dans le sens où un rêve est devenu réalité. Mais ça ne me surprend pas dans le sens où c'était impossible. Donc, je sais de quoi je suis capable. En cinquième des humanités, il y a eu mon père qui a perdu son travail et tout. On t'est chassé à chaque fois à l'école. Mais tu devrais te battre pour réussir et passer de classe. Ce sont deux épreuves que je subissais depuis toute petite et ça me forgeait au fond de moi. Petite, mon plus grand rêve, c'était de devenir chef d'entreprise avant d'avoir 25 ans. Issue d'une famille modeste où les parents ne sont pas entrepreneurs, ses rêves paraissaient un peu comme une illusion. Ma famille, ma mère, mes frères, ils ont vraiment, vraiment été là dans mes débuts et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là. Être entrepreneur au Congo, c'est un casse-tête. Tu dois chercher des opportunités. En même temps, tu dois structurer ton entreprise. En même temps, il y a l'État qui est derrière toi. En même temps, tu n'es pas soutenu. En même temps, vous devez peut-être bénéficier du minimum, mais qui est détourné. Tu dois avoir le nerf solide. Sur l'aspect de ressources naturelles, c'est un paradis. Mais sur l'aspect politique, le Congo, c'est un enfer. Prison à ciel ouvert. En 2023, je fonce, j'industrialise. Là, on a besoin de juste 50 000 pour acheter des machines que je trouvais ici. Ça va nous permettre d'industrialiser les processus de fabrication de sacs et de emballages. Et au bout de 2 ans, une fois qu'on atteint les objectifs avec ça, on va avoir besoin d'à peu près 500 000 pour pouvoir industrialiser la fabrication de papier. Créer de l'emploi pour une, deux, trois personnes. C'est ma plus grande fierté. Le mariage, oui, je suis une femme, je finirai par me marier. Je me dis toujours, je ne suis pas pressée, je dois faire un bon choix pour ne pas connaître. Je suis dans le processus de la réussite. Et j'estimerais que je réussis si j'arrive à mettre en place surtout ces papiers innovants ou qui va attirer en fait le monde autour de la RDC pour dire qu'il y a une innovation au Congo. Là, je vais estimer que le processus a pris de l'allure.